Il est 7h51 sur l'Université Charleroi et comme chaque lundi, à cette heure-ci, eh bien, cette semaine, c'est Simon Gérard qui va tenter de vous trouver du boulot. Et si vous êtes intéressé par l'imprimerie, eh bien, c'est le moment. Charleroi Matin, j'irai jobber chez vous. Ce matin dans J'irai jobber chez vous, nous nous intéressons au métier de l'imprimerie et en particulier au métier d'imprimeur conducteur de machines offset pour lequel le Forum organise une formation. Nous en parlons ce matin avec Thierry Aptekers, formateur au centre de compétences Forum CPGRA à Gosselies. Bonjour. Bonjour. Alors pour bien situer le contexte, hein, ça consiste en quoi le métier d'imprimeur conducteur de machines offset? Alors c'est un technicien spécialisé qui prépare, qui règle et qui met en route une presse offset et qui surveille la constance du travail, la qualité de l'impression. Donc en offset, c'est quoi? C'est un procédé d'impression sur une plaque souple. Au final, ça sert à imprimer des livres, des journaux, des affiches, etc. Alors le Forum organise bientôt une formation pour ce métier. Elle consiste en quoi? Alors elle va permettre de maîtriser les différentes tâches professionnelles, donc de réglage, de mise en route de la machine, puis de vérification des impressions. Elle est suivie d'un stage au sein d'une entreprise, elle s'étale sur 22 semaines. Mmh. Le public cible, ce sont des demandeurs d'emploi qui ont déjà une certaine expérience du milieu graphique ou qui possèdent des bases en électromécanique ou mécanique. Alors c'est quoi les possibilités d'embauche après cette formation? Il y a en ce moment plus de 30 offres d'emploi publiées sur le site du Forum en lien avec ce métier. Donc il n'est pas rare que les stagiaires soient engagés à la suite de leur stage. Il y a également des imprimeries qui nous contactent pour embaucher des stagiaires en fin de formation. C'est un métier qui risque de devenir critique car la moyenne d'âge des travailleurs actuels est supérieure à 50 ans dans de nombreuses entreprises. Mmh. Et on a beau être dans une ère digitale, on continue d'imprimer des livres, des flyers, etc. Mmh. Il y a dès lors de véritables opportunités d'emploi. Le taux d'insertion à la suite de nos formations est supérieur à 80%. Alors, vous parlez de la moyenne d'âge, hein, qui serait supérieure à 50 ans. Mais comment faire pour attirer les plus jeunes vers ce genre de métier? C'est un métier qui est passionnant, avec un très beau score d'insertion à l'emploi et où l'on gagne très bien sa vie au départ. C'est la commission paritaire 130, donc le salaire minimum en début de carrière peut être de 1800 euros net par mois. Alors, dernière question, si on est intéressé par cette formation, il faut faire quoi? C'est assez simple. Hein. La formation se déroule au centre de compétences du Forum CPGRA situé à Gosselies, qui est spécialisé dans le domaine graphique. Des séances d'information ont lieu tous les mois. La prochaine a lieu d'ailleurs le 6 février, à laquelle il faut s'inscrire via un formulaire que l'on peut trouver soit sur la page agenda du site du Forum, soit sur le site du CPGRA. Et si on est intéressé par d'autres aspects des métiers graphiques, nous dispensons aussi des modules en impression digitale. Et si vous voulez en savoir plus, le Forum a fait une capsule vidéo sur sa chaîne YouTube qui s'appelle « L'objet de ma formation, conduite de presse offset ». Plus d'informations sur le site du Forum, forum.be.